À la une des journaux, ce dimanche matin, un triste record pour l'Inde. Deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, il devient le troisième pays le plus touché au monde par le coronavirus. Le pays vient de passer la barre des 100 000 morts. Depuis l'arrivée de la pandémie, 6,47 millions de cas de contamination ont été enregistrés et l'Inde devrait dans les prochaines semaines dépasser les États-Unis et devenir le pays qui compte le plus grand nombre de contagions. Toutefois, le fait que la population de l'Inde est 4 fois plus nombreuse que la population américaine suscite des doutes sur l'exactitude des chiffres indiens. En fait, nous ne constatons aucun déclin du nombre de cas de coronavirus. L'Inde est devenue le troisième pays avec le plus de mortalité liée au coronavirus. En plus, nous ne savons pas quelle est la fiabilité des taux de mortalité. Le pays n'a pas un système de surveillance de la santé publique qui documenterait en temps réel tous les cas de maladie et de décès. Bien que les autorités indiennes effectuent environ 1 million de tests par jour, en pourcentage de la population, le taux de tests de l'Inde est bien inférieur à ceux de nombreux autres pays. Mardi, la principale agence indienne de lutte contre l'épidémie a publié une enquête suggérant que plus de 60 millions de personnes, soit 10 fois le chiffre officiel, auraient pu contracter le virus. Au lieu d'avoir peur de la maladie, nous devrions la combattre avec des masques et du gel désinfectant, ce qui n'est pas encore le cas de la majorité de mes compatriotes. Alors que le nombre de cas continue d'augmenter, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi poursuit l'ouverture de la troisième plus grande économie d'Asie. Le strict confinement imposé en mars a non seulement échoué à arrêter la propagation du virus, mais a également plongé des millions de personnes dans la pauvreté, avec la perte de leur emploi. Mercredi, le gouvernement a déclaré que toutes les écoles pourraient rouvrir, ainsi que les cinémas et les piscines, sous certaines conditions.